Ah mon Dieu, à malheur, quel étrange accident. Qu'est-ce, Toilette? Ah madame, qui est-il? Votre mari est mort. Mon mari est mort? Hélas, oui, le pauvre mari est mort, assurément. Le pauvre défunt est trépassé, trépassé. Assurément, personne ne sait encore cet accident-là et je me suis trouvée ici toute seule. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, le voilà de son nom dans cette... Non, c'est pas ça. Tenez, le voilà tout de son nom, tout de son nom dans cette chaise. Ça va me détendre. Le ciel en soit loué, me voilà délivré d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toilette, de t'affliger cette mort. Je pensais, madame, qu'il fallait pleurer. Bah, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? Une vraie? Deux secondes! Ah, j'en ai marre de ce confinement. Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit. On déjeune? Oui, c'est bon! Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire qu'en me servant, ta récompense est sûre. Puisque par bonheur, personne n'est encore au courant de la chose, non. Puisque par bonheur, personne n'est encore averti de la chose, portons-le dans son lit et tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'aie fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je me veux saisir. Il n'est pas juste que j'ai passé 100 fruits auprès de lui mes plus belles années. Pas juste que j'ai passé 100 fruits auprès de lui mes plus belles années. Bien, Toinette, prenons auparavant toutes ces clés. Ben voilà, ça rentre. Allez, apéro.